Il s'appelle Horror Pizza. C'est un magasin un petit peu étrange. Regardez, tout est écrit en anglais. On peut voir Horror Pizza This Week Only. Ça signifie cette semaine seulement. Ensuite, c'est écrit les pizzas les plus flippantes de votre vie. Et il y a le petit numéro pour commander. Du coup, voilà, regardez, on les a toutes ici, toutes ces pizzas, c'est énorme. Alors évidemment, il n'y a pas 100 pizzas, sinon ça aurait fait du gâchis. Mais il y en a quand même énormément. Alors sur les commandes qu'on pouvait faire, on pouvait commander des pizzas Huggy Wuggy, Cartoon Cat, CRNED. C'est un truc de fou furieux. Et on va toutes les découvrir. Elles sont toutes ici, regardez. Regardez la pile de pizza, elle m'arrive juste ici. Franchement, c'est une énorme pile. Tout ce qu'on a mangé, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à tout manger? Alors, vous pouvez reconnaître, ici il y a Alex qui est tout le temps là pour manger. Ici nous avons Chemise. Et ici nous avons Limon, mon petit frère. Du coup voilà, Horror Pizza. On a commandé un total de 16 pizzas et sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec la pizza Piggy. Ok, let's go, je vais me mettre au milieu entre vous deux. On commence directement, première pizza, la pizza Piggy. Je vais pouvoir la filmer, let's go, je l'ouvre. Ok, je vois pas ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que c'est chelou? Oh, c'est chelou. C'est chelou? Ah ouais. Wow, ok, ok, ok. On a la pizza Piggy, alors regardez, à chaque fois on a du coup le petit emblème du monstre en question. Et ensuite regarde, viens filmer la pizza, il y a quoi? C'est quoi ici? C'est un cœur et un foie à moitié. Waouh, ce sont des organes. Oh, mais what? Ok, on les vire ici. Ok, et il y a du sang, il me semble qu'il y a du sang. Alors j'ai pas pris de ce pas là, on va aller en charger tout de suite. Attendez, viens voir, ici je crois qu'il y a du sang. Ah ouais, il est pas sec du tout, il est carrément frais ce sang. Oh là là, c'est bizarre. Oh, les abonnés, je sais pas ce que c'est que ces pizzas, mais on va tout de suite goûter. Regardez, elle est toute rose, mais qu'est-ce que c'est que ces couleurs cheloues? Ok, bon, let's go. On va couper des parts, qui en veut? Let's go. Hein. Alors par contre, elles sont un peu froides. J'ai coupé la première part, qui veut essayer? Qui veut essayer en premier? Vas-y, let's go. Vas-y, allez, let's go. Parti. Alors, il y a du rose chelou dessus. On va voir si c'est un goût. Ok, bizarre. Ok, let's go. Alors, est-ce que c'est un goût chelou? Elle est bonne? Ouais, gravement. Non, ah ouais, pas le goût en fait. Ouais, y'a de la merguez. Ok. Des tomates. Ok. Et ça, vous pensez ça se mange ça? Ah, vas-y, teste. J'ai croqué dedans, non. J'ai pas envie de croquer là-dedans. Bon, je vais croquer une petite part, moi. Je vais me prendre une petite part. Est-ce que vous êtes prêts, les abonnés? Je vais goûter ça, let's go. C'est super bon. Ouais, c'est grave bon, ouais. Non, c'est super bon. Non, en vrai, je dirais que c'est un léger goût de crème fraîche, en fait, le rose. Je regoute pour être bien sûr, quand même. Je vous ai caché quelque chose dans cette vidéo. À tout moment, lorsqu'on va manger une de ces pizzas, soit on va se transformer en le monstre en question. Oh, je vous avais pas dit ça. Non, je vous avais pas dit. Soit le monstre en question va se ramener. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Voilà, là, on est en train de manger la pizza Piggy. À tout moment, t'as Piggy qui se ramène, ou alors tu te transformes en Piggy. J'en veux une aussi. Non mais alors c'est pas possible. Même derrière la caméra, il est en train de manger sa part de pizza. Regardez, je vais vous filmer ça. Regardez-le en train de manger sa part de pizza. Vas-y mec, c'est pas possible. Après on boit 100 bières. Après la pizza Piggy qui est ultra validée, on lui met une note de quoi? Moi je lui mets, allez, je dirais un petit 7,5 sur 10. Toi tu mets combien? Ouais, moi je mettrais 7 aussi. Ouais. Ok, 7 toi? Je mettrais 5, ouais. Je m'attends à mieux derrière. Ah ouais? Ok, oh, et toi? Un petit 6. Un petit 6, ok. Irox il fera la moyenne, voilà mon monteur, il fera la moyenne à l'écran qui s'affiche. Let's go, on passe à la pizza Peppa Pig. Ok, let's go. Alors Peppa Pig, c'est la même chose que Piggy, mais ça devrait être en beaucoup plus soft. Du coup je m'attends juste à une pizza peut-être rose. Ah effectivement, voilà. On a une pizza bien rose, ok. Ah ouais. Bon, on va couper une petite part chacun, on va voir. Elle est toute mignonne. Ouais. Elle est rose comme mon t-shirt. Hein. Waouh. Waouh, la chance. La meilleure intervention de cette vidéo. Voilà, chacun a sa pizza. Ok, let's go, c'est parti. D'ailleurs, les abonnés, je tenais à vous signaler que ce magasin Horror Pizza, il est uniquement présent sur Rennes pendant cette semaine. Donc s'il y a des gens qui sont sur Rennes, essayez de le trouver pour essayer de commander des pizzas et vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé. Ok, let's go, c'est parti. Alors me dites rien, vous me dites rien pour l'instant. Okay, je dis aucune réaction et je vais goûter. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Je vais avoir un peu de rose dans la moustache. Elle est pas celle-ci, hein. On dirait qu'il y a juste de la tomate et de la crème fraîche, en fait. C'est Vas-y, mec, derrière la caméra, il se régale, il en prend aussi. Let's go. Elle est basique mais efficace. Moi, j'aime bien. Il est l'heure de donner les notes pour cette pizza très simple. Voilà, très soft. En même temps, on est sur un monstre très gentil, hein. Il s'agit de Peppa Pig, c'est carrément pas un monstre, c'est juste un personnage de dessin animé. Du coup, quelles sont les notes?
Moi je vais donner une petite note de 6. Ça se mange bien, franchement. Un peu plus que la moyenne parce que franchement ça se mange bien. Mais c'est pas non plus ça casse pas trois pattes à un canard. Je sais pas si vous connaissez l'expression. Du coup voilà. Okay. Moi je vais dire 5 franchement parce qu'elle était basique et ouais simple. Vas-y. Moi je vais donner 5 aussi parce que ça reste basique comme ouais, on ouais. dit mais. Pareil, 5. Alors personne d'entre nous pour l'instant ne s'est transformé en Peppa Pig. Et j'ai pas entendu quelqu'un taper à la porte. Pour l'instant, pas de monstre. Pas de transformation, on est clean, on passe à la prochaine pizza. C'est la prochaine pizza et c'est la pizza extraterrestre. Ok, let's go. Ok, je ne me spoil pas, tu vas juste, c'est toi qui vas le voir, vas-y mec, c'est parti. Alors peut-être eux sur le côté ils vont le voir aussi. Regarde pas. Ok, let's go. Waouh, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est chelou. Incroyable. What the fuck. Ok. Ok. Waouh. Qu'est-ce qu'il veut manger ça là? C'est spécial hein. La pizza elle te regarde genre. Qui va se transformer en extraterrestre? Peut-être toi? Peut-être moi. Peut-être lui? Peut-être lui? Ok, on verra ça. Let's go, on coupe chacun des parts. C'est parti, dégustation. Let's go. Alors est-ce qu'on va manger des yeux? Je pense qu'on va tous les enlever de nos pizzas parce que mon avis, je pense que ça va être bizarre. Ah ils sont bizarres les yeux, ils sont un peu gluants. Vous pouvez enlever les yeux pour moi? Non toi tu dois les manger toi, vas-y Bex. Qu'est-ce que je vais faire de cette pizza? Ok, je vais goûter, on va voir. Alors elle. Elle a l'air meilleure non? Je te laisse goûter. Ok, celle-ci. Franchement, elle est verdée. Personne ne donne son avis, par exemple, on voit que tout le monde se régale. Vas-y, mec, je l'aime pas. Il aime pas du tout derrière la caméra. Ce qui est dommage, c'est que toutes ces pizzas, elles mériteraient d'être un peu réchauffées. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Mais sur le goût, on va juger sur le goût en imaginant un petit peu qu'elles sont chaudes. Là, on est sur une chèvre miel, j'ai l'impression. Ouais, chèvre miel. Alors, je sais pas pourquoi les extraterrestres, c'est du chèvre miel. C'est chelou. Alors, les yeux, j'ai envie d'en goûter un en vrai. J'ai essayé tout à l'heure, c'est pas hyper comestible. Oh! Ah ouais c'est dégueu, c'est un goût, oh c'est un goût d'encre à moitié. Ok bah franchement comme ça c'est validé. Je vais mettre la note à chèvre miel, moi franchement je suis fan. Après ça reste une chèvre miel basique. Écoutez je vais mettre comme pour la première, je vais mettre 7,5. 7,5 pour cette pizza, let's go. Alors toi? Alors moi j'aime pas trop le fromage, j'aime pas trop le chèvre. Du coup bah je veux dire 3 parce que j'ai pas. Ah ouais, ok. Mais après c'est les goûts et voilà, chacun ses goûts quoi. Ok. Moi j'adore le fromage. Ah. Et vu qu'il y a... On a un bon français. Je vais lui mettre un bon 6,5. Et moi je vais rester sur un 5, je change pas. Ok, c'est tout le temps moi qui mets les notes les plus hautes, j'ai l'impression qu'il y a que moi qui me régale. T'es trop gentil, t'es trop gentil. On va passer à la prochaine pizza. Alors évidemment on finira tout ça plus tard. Les abonnés, prochaine pizza c'est celle de Jeff the Killer. Ok. Oh lolo, celle-là je sens. Alors là Jeff the Killer, vraiment. Alors déjà dans un premier temps je n'aimerais pas du tout que Jeff the Killer arrive ou que l'un de nous se transforme en Jeff the Killer. Et puis je sens qu'à l'intérieur ça va être très très sale ce qu'il va y avoir. Vous allez l'avoir en premier avant moi, ensuite vous aurez ma réaction. Il y a Limon aussi qui va le voir. Ok. C'est dégueu. Mais c'est quoi ça? Tu veux un peu de cerveau, Azibex? Non, non. On va mettre tout ce qui. Ah, mais attends. J'ai pas touché ça. Ah, mais c'est ça. Ce sont des doigts humains. Bah, mais ouais, ils auraient pu au moins lui couper les ongles. Hein. Regarde. Ah, il y a des oreilles. Alors, par contre, du coup, ils ont bien nettoyé le sang. C'est clairement le mot. C'est chirurgical. Tout a été coupé parfaitement. Pas de sang qui déborde. Alors tout à l'heure, je crois que dans la pizza de Piggy, il y avait plein de sang partout. Bon, on enlève tous les membres humains. Ah, est-ce qu'on mange vraiment ça? Ça se trouve, c'est de la chair humaine, ça, regardez. Ah, non. J'ai goûté. Vas-y, vas-y, vas-y. Je saurais pas essayer de vous dire. Ça va quand même goûter. Cannibalisme. Ok, ok. C'est bon, toutes les parts sont coupées. Voilà, let's go. Donc chacun se sert, c'est parti. Allez, go. Tiens, pas mal. Pas mal. Ouais. Je connais pas le goût de la chair humaine, je sais pas si c'est un aide. C'est bon la chair humaine. J'ai hâte de. Moi qui ai déjà mangé beaucoup. C'est une blague. C'est du jambon de Bayonne un peu. Moi j'ai mangé une oreille, je pense. Alors il faut savoir que tout ça pour la musculation c'est super bon. Voilà. C'est des bonnes pizzas donc c'est vraiment parfait. D'ailleurs, les abonnés. J'ai vu qu'il y avait le même type de magasin mais avec des burgers. Et eh bien je vous demande de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo. Et à 10 000 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai un nouvel épisode avec des burgers d'horreur. Ce sera les 100 burgers Mystère Challenge. D'ailleurs si tu t'abonnes dès maintenant et que t'actives la cloche de notification, il y a une pizza qui va te tomber dessus, sur la tête voilà. Et tu vas pouvoir la manger. Let's go, fais le test, tu verras, c'est super simple. Et si ça tombe pas, et eh ben c'est pas de ma faute. Allez let's go. On va passer aux notes sur cette petite pizza. Moi j'ai pas été très convaincu, je vais lui mettre la note de 4. Vraiment, ouais, j'ai vraiment pas trop aimé. Voilà, ensuite toi. Moi je vais mettre 6 parce qu'elle était un peu meilleure que la précédente. Mais on peut avoir mieux encore. Ok. Moi je mettrais un 7, ça ressemble un peu à une savoyarde et j'aime pas mal donc je mettrais 7. 7, ok c'est une très bonne note. Moi je m'attendais à mieux, je pense que chaud ça aurait été meilleur. Mais en vrai un petit 6. Ok let's go, la moyenne des notes s'affiche à l'écran, let's go. Prochaine pizza, la pizza Huggy Wuggy. Oh, 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 oh. Là
star. Ok, la star, let's go, la pizza de la grande star. Ok, d'hab, voilà, je monte d'abord à vous les abonnés et ensuite c'est nous qui découvrons. Alors il y a tout le temps Limone qui voit un petit peu en avance. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Wow, trop stylé. Ok, c'est parti. Oh, c'est trop. Mais c'est quoi ça? Il y a une peluche dedans carrément. Alors elle est pas comestible je pense. Ah, ok, ça va me mettre du bleu sur le bras. Ok, ok. Mais tu te transformes je crois. Ah ouais, non. Il a pas encore mangé. Oh, ok. Mais je pense en vrai que je devrais pas la manger. Voilà, je devrais pas la manger parce que j'ai peur de me transformer. Alors elle est vraiment toute bleue, tu peux la filmer. Vraiment, elle est toute bleue la pizza. Ok, bon bah c'est parti. Wow. Alors peut-être que Uki Buki va débarquer et va arriver par la porte, je sais pas. En tout cas, c'est parti. Ok, alors qui veut de la pizza Uki Buki? Tout en sachant qu'il y a un petit risque de... C'est chaud, de se transformer. Transformation, ouais. En vrai, vas-y. Allez, moi je suis joueur aussi. Ah, let's go, alors on a des courageux. On a chemise et Limone, des courageux, c'est parti. Jusque là, je ne suis pas transformé. Je pense que... Est-ce qu'ils sont en train de se transformer? Attends de finir. Alors, ça me met du bleu un peu partout par contre, hein. Vraiment. Attention au bleu dans la moustache, attention au bleu un peu partout. Ok. Bon, moi j'ai pas trop envie de la goûter, je vais juste me faire... Oula, je mets du bleu partout en vrai. Juste mettre un petit croc. En vrai, un petit croc. Ok. Tu prends des risques là. What? Ah, je rigole, sans drogue. Oh non. J'ai eu peur. Elle est pas mal celle-ci, hein. C'est bon, il se transforme pas. Pour l'instant, tout le monde est safe. Quelle va être la note? Ok, bon, pour moi, celle-ci, je vais donner, même si j'en ai goûté que très peu, 6,5. Voilà, ensuite. Moi, pour l'adrénaline, je vais donner 7. Ok, let's go, qui veut qui 7, ok? Allez, c'est pareil, je donne 6, j'aurais donné 5. Et après, faut aussi les noter en fonction de leur beauté. Ah oui, ouais. Okay, pas forcément que le goût, tu vois. Là, celle-ci, en vrai, était stylée. Elle avait une belle couleur, ça fait penser une à belle couleur, ouais, c'est vrai qu'il y a une belle couleur. Moi, je dirais 6,5, elle était meilleure que celle-là. Ok, 6,5, du coup, moyenne à l'écran, c'est parti. Les abonnés, je pense que ça va beaucoup vous plaire parce que la pizza qu'on va tester dès maintenant, c'est la pizza Spider-Man. Let's go. Okay. La pizza Spider-Man. Ok, alors comme d'hab, les abonnés vous découvrez en premier. Wow. Ah, c'est horrible. Wow. Ah, ça fait... What? Ok. Ok, alors. Je suis pas bien là. Ok. Ah, non, toi, c'est bon. Ça va, oui. Ok. Ok, on va dégager toutes les araignées. Oh, waouh, elles ont tissé des grandes toiles. Est-ce que tu penses que c'est comestible? Tu penses que c'est comestible? Ah, je sais pas. J'ai envie de goûter un peu de ça. Ah, en vrai, c'est la barbe. C'est pas très bon. Ah, mais c'est pas comestible, c'est vraiment du fil d'araignée, il me semble. Qui veut une part de la pizza Spider-Man? Let's go. Voilà, let's go. Les abonnés, vous aussi, vous pouvez participer aux notes et nous donner votre pizza que vous trouvez la plus stylée. Voilà, vous me dites en commentaire, vous les classez. De 1, on va faire un top 10, je pense. On va faire un top 10, ce sera parfait. Un top 10 des pizzas les plus stylées que vous avez trouvé, les abonnés. Donc voilà, let's go, hop. Ok, let's go les gars, j'ai goûté cette araignée. Il mange l'araignée. Ah, moi j'ai pris dans la bouche. Je crois qu'il apprécie pas beaucoup. Ok. Un petit goût bizarre quand même. Un petit goût étrange quand même. Eh les gars, il y a du bleu sur la pizza. Uki Buki a peut-être un petit peu d'éteint. Ah non mais non, c'est le ciseau. Ah ouais, ok. Regardez, c'est le ciseau. Voilà, regardez, il y a un petit peu de bleu sur le ciseau, du coup, voilà. Alors par contre, la pizza est vraiment pas bonne, celle-ci. Hein. Non, il y a un goût bizarre, en vrai. C'est... Moi, j'ai tout mangé. Hein. Alors pour moi, ça va être un 2. Moi, je vais mettre un 8. Toi, il a cuffé l'araignée, lui, en fait. Il a bien aimé, hein. Il s'est fait contaminer par l'araignée. Il va se transformer en Spider-Man. Non, les abonnés, non. C'est stylé de se transformer en Spider-Man. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Ouais. Alors, du coup, moi, je vais mettre 7,5 parce qu'elle était quand même bonne, j'avoue. Okay. Mais il y a un petit goût bizarre. Ouais, non, le goût bizarre était trop dérangeant. Moi, je vais mettre un 3. Ça. Alors, il y a 8, 7,5, 2 et 3. La moyenne à l'écran. Les abonnés, c'est au tour de la pizza Cartoon Cat. Let's go, c'est parti. Ok, c'est pour vous avant. Wow. Elle a quoi? C'est... Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est chaud. Quoi? Ouais. Pourquoi? Waouh. Oui, là elle est bizarre, regardez. En fait, c'est Cartoon Cat comme s'il avait mangé la pizza. Il y a plein de sang. Il y a plus de sang que tout à l'heure. Ouais, là vraiment, il y a beaucoup de sang. Est-ce qu'on la mange avec tout le sang qu'il y a dessus? Regarde, il y en a un petit peu là et tout sur la pizza. Ouh là 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 là, regardez, sous la pizza il y a beaucoup de sang. On va éviter de manger le côté où il y a eu du sang. On va juste se couper un petit, du coup, des petites parts sur cette demi-là. Qui veut des parts sur là-dessus? Moi. Je veux une petite part, hein. Prise de masse, tu connais. Tiens, une part pour toi. Tu veux une part respect ou pas? Ok, c'est parti. Ok, Cartoon Cat. Alors regardez sur la pizza Cartoon Cat, eh bien, il y a beaucoup de sauce barbecue.
Mais je pense pas que ça ce soit de la sauce barbecue, ça c'est clairement du sang. Elle est excellente, dommage qu'il y a plein de sang. Alors peut-être que nous sommes une bande de vampires et on adore ça. C'est l'heure des notes pour la pizza Cartoon Cat. Alors moi du coup j'ai vraiment apprécié, franchement elle est incroyable. Je vais lui donner la note de 9. Let's go, 9 pour cette pizza. Ok, ensuite à toi. Moi je vais donner 8,5 parce que c'est vrai qu'elle était vraiment super bonne. Et toi tu donnes combien, chemise? Moi je vais donner 6, je sais pas si vous avez senti mais il y avait une petite odeur de sang quand même. Ouais mais en vrai le sang on adore ça. Nous sommes des vampires. Alors pour l'instant personne s'est transformé, aucun monstre n'est venu. Pour l'instant on touche du bois hein. Let's go, ensuite toi. Et moi je pense que j'ai donné le premier 10 de la vidéo les gars. Oh, okay. La moitié des notes tout de suite, mais je crois que c'est vraiment le top pizza de cette vidéo. Les abonnés, plus on approche de la fin de cette vidéo, plus vous voyez le timecode voilà, qui arrive vers la fin, plus ça veut dire qu'on est tombé sur la pizza qui nous a soit transformé, soit le monstre qui est venu. Du coup là, si on approche de la fin, c'est que à mon avis, ça risque de se corser, de se pimenter dans très peu de temps. Du coup, on va prendre la pizza qui s'immisce ici. Ok. 3, 2, 1. Let's go. C'est trop stylé. Elle est stylée. Oh ouais. La même que l'autre en fait. Wow. Ok, ok, alors du coup on a une petite peluche Kissimissi. Ok, c'est stylé. Ouais. Elle est franchement pas mal. Comment est-ce que tu la trouves? Moi je la trouve trop mimi quoi. Voilà, on est tous amoureux de Kissimissi. Ok, c'est bon, du coup on a découvert Kissimissi, on a eu la petite peluche et là on a une pizza toute violette. Voilà, petite pizza toute violette et je vais inaugurer ça. T'avais déjà mangé une pizza violette avant? Non, c'est la toute première fois de ma vie que je mange une pizza violette. Est-ce que c'est la première fois de votre vie que vous voyez une pizza violette? Je pense que oui. Ok. Allez, servez-vous. Moi je prends une petite part parce que là vraiment la prise de masse fonctionne trop bien. Et on a Azibex qui essaie de se dépatouiller pour choper une part. Quel gourmand derrière la caméra. Je vais le fumer à nouveau parce que vraiment ça me fume. Regardez-le, voilà. Il a très faim. Oh, j'ai trop faim, moi. La meilleure, je pense. C'est vrai que celle-ci, elle est pas mal, puisqu'en fait, on a de la tomate, on a de la crème. C'est plutôt pas mal. Le violet a pas trop de goût. Il y a un léger goût de guimauve, mais vraiment tout léger. Hein. Ouais. Vous l'avez senti? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Vraiment tout léger. On le sent pas trop, ouais, ça va. On le sent pas trop, franchement, celle-ci, elle est pas mal. Je vais lui donner la note de 8. En vrai, 8. Let's go. Toi? T'es gentil. Moi, je vais donner 4. 4? Oh, what? Non! T'aimes pas du tout? 4, 4 pour la couleur, mais je suis pas sûr. Parce qu'il y a pas de fromage dessus. Ah oui. Ah, ok. Vas-y, Limon, c'est à toi. Moi, j'ai donné un 6 parce qu'il y a le violet en plus, ça donne un petit goût en plus. Et... ok, let's go. Et ensuite, la dernière note, celle de Alex pour la moyenne. Et moi, c'est un 7. Ok, let's go. Voilà, c'est bon, la moyenne s'affiche à l'écran. Ok, c'est parti, la pizza Grinch. Ok. La Grinch, voilà. C'est la pizza Grinch. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts à la découvrir? 3, 2, 1, go. Wow, c'est quoi ça? Wow. Elle sent fort, elle sent très fort. Ok, hop, let's go, je vais la couper et chacun va se servir une petite part. Pas trop chaud de la goûter hein. Franchement. Moi j'aimerais ajouter un peu de sauce piquante. Ok, moi, tu te mets un peu de sauce piquante dessus. Ouais, okay. Bah, c'est de la triche hein. Elle pique déjà de ouf. Quoi? Ça pique à mort. Il est tout rouge, regarde. Eh les gars, ça chauffe vraiment. Je pense qu'il y a ça, toute cette partie là, je pense. Oh ouais, c'est vrai que ça chauffe bien. Alors là, je ferme les yeux, je suis au Mexique. Waouh. Ah, il en a pris une giga. Une giga par Azimex. J'ai même pas envie de croquer dedans. Ça va? J'ai tout mangé. Il a tout mangé, non mais c'est un fou furieux. Attends, c'est chaud. Hein. Franchement, c'est impressionnant, ça chauffe, mais moi. Et toi, t'as rajouté de la sauce piquante. Oh la vache, j'ai mal au bide. Les gars, moi je pense que je vais arrêter là, j'en peux plus, cette pizza elle m'a terminé. En plus, j'ai plus faim. Je pense que je vais y aller et je vais essayer de terminer la vidéo, les gars. Oh non. Abonnez-vous si vous voulez pas que les monies partent. Tu peux te barrer. Vas-y, les gars. Les abonnés, on passe à la prochaine pizza, c'est la pizza du clown ça. Ok, j'ai très hâte. Le clown ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Attention. Ok, ok. Let's go, jour. Quoi? Wow. Du vocabulaire, mais c'est wow. C'est quoi ça? Regardez les abonnés. Oh là là. Ça pue le cadavre. Il y a du sang de partout. Oh là 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 là. Les abonnés, c'est quoi ça? Ah, ok. C'est horrible. On a deux bras. Oh, ça sent fort en plus ça. Ah ouais, ça sent le cadavre. Ça commence à moisir et tout dans les os là. Ah, regardez, ça a commencé à moisir dans les os. Regardez, ça a commencé à pourrir dans les os. Ah là 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 là. Non mais c'est.
Moi les gars j'ai plus faim en tout cas. Ah ouais, il y a plein de sang, regardez le sang il est. Alors j'ai pas le touché avec mes doigts parce que c'est un peu chelou. Franchement cette pizza là moi j'ai pas à manger. Ah ouais, c'est horrible. En plus ça pue vraiment beaucoup. Vous avez dit j'ai pas à manger du tout. Bon il va falloir quand même la goûter pour la noter hein, on est obligé de toute façon. Voilà. On est vraiment obligé. Ouais. Oh là 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 là. Les abonnés ça vient de frapper à la porte. T'attendais personne là. Ok, ouais. Ça frappe à la porte. C'est peut-être le clown ça qui vient d'arriver. Oh là 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 là. Non, imagine, c'est ça. Ok, mon le. Ok, c'est déjà ouvert. Oh, 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 oh. Il a un couteau dans la main. Ok, ok, il est en train d'entrer. Oh là 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 là. Je sais pas ce qu'on va faire. Enfin, le premier monstre qui rentre, mais c'est le clown ça. C'est terrifiant. Les abonnés, je sais pas quoi faire face à ce clown ça. Oh, ok, ok, ok. Les abonnés, c'est la fin de cette vidéo. Ça part beaucoup trop en live.